met un défi en l'air aussi, ce match. Bon, vous savez, nous, on est quand même sur 4 éditions. On a été 4 fois en finale, on a gagné 2 fois la Coupe. Donc imaginez-vous qu'à chaque fois que les gens jouent contre nous, c'est nous qui sommes la bête à abattre parce que, comme je vous dis, 4 éditions, 4 finales, on a remporté 2 fois. On est la seule équipe à abattre. Ça veut dire même aujourd'hui, si vous prenez une équipe, excusez-moi du terme, quelconque, quand on va dire le jeu contre l'étoile, ils vont donner tout ce qu'ils ont. Tous ceux qui vont jouer contre nous vont jouer à fond, à mort. Mais c'est pas grave, on est habitué à ça. Et comment est-ce que vous allez préparer pour ça? Vous savez, le match du mercredi, c'est contre un des champions aussi. C'est un match très difficile, mais bon, on va le préparer comme on prépare tous les autres matchs. Ça veut dire dans le sérieux, il n'y a rien à dire. Et c'est surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'essayer de trouver l'osmose entre le calme et, comment on peut dire ça, la combativité. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège, c'est tout. Et vous verrez le résultat. Ok, merci à vous. Sans doute pas. Je ne suis pas encore au top de ma forme. Je reviens et ça va aller. C'est de bon augure pour le reste. Et comment est-ce que vous avez préparé ce match? Dans le mental. Que dans le mental. Le premier set, on a perdu parce qu'on a fait une mauvaise combinaison. On a voulu jouer avec deux attaquants. On a vu que ça ne marchait pas parce qu'ils partaient à 3 au bloc. Et on a changé en même temps pour le deuxième set. On allait à 3 attaquants. Avec ça, on a été plus à l'aise avec eux et puis on a pu les battre. Est-ce que là, vous avez lancé des défis entre vous? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est du sport, c'est du fair play. C'est des amis, tout le monde est amis. Et comment est-ce que vous préparez le prochain match? Dans les mêmes dispositions, on va maintenant cette fois-ci vraiment regarder si on commence avec 2 ou 3 attaquants. Ok, donc le prochain match, on préfère te revoir encore dans cette forme-là. On espère. Ok, merci bien. Merci à vous. Merci. Bonsoir, présentez-vous. Bonsoir, moi c'est Aziel Kouassi. Et qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? Bon, à vrai dire, il ne veut pas se défendre. Voilà, il ne veut pas tout faire le travail. Je suis à l'attaque, les petits ballons, les lobes, ils ne peuvent pas les soulever. Quand ça comme ça, ça décourage. J'ai fait trop d'efforts en haut, je ne veux pas faire de travail aussi en arrière. Voilà, donc je pense que cette équipe, on pourrait la battre de loin même, prendre les 2-7-0. Voilà, mais ils ont... Comment on peut dire ça? Surestimer l'équipe. Donc, voilà. Donc, on a perdu. Comment vous comptez aborder le prochain match? Bon, à vrai dire, on a déjà perdu, je veux dire, 3 ou 4 matchs. Donc, franchement, je ne pense pas qu'ils auront la volonté de jouer encore. Voilà. Moi, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai joué. Mais je ne peux pas faire jouer aussi en arrière. Voilà. Mais je pense que, bon, on va essayer encore, voir ce que ça va donner. C'est la première participation. Donc, je pense qu'ils vont travailler encore et puis voir ce qu'on peut faire le prochain match ou bien la prochaine saison. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Oui, vraiment. Est-ce qu'on a senti le grand Guinée ce soir? Oui, vraiment, on avait à cœur aujourd'hui de nous rattraper. Parce que vraiment, ce n'est pas notre place, vraiment, dernière place. Remonter la pente le plus haut possible, aller le plus haut possible. Donc, on a tout donné, on s'est vraiment lâché aujourd'hui pour aller de l'avant, pour gagner ce match. Et comment est-ce que vous avez préparé ce match? Parce que c'était un match vraiment qui était capital. Oui. Effectivement, on a bossé beaucoup durant la semaine dernière. On a capitalisé sur nos erreurs lors des précédents matchs. Et puis nous centraliser sur vraiment notre tactique qu'on veut mettre en place. Voilà. Et comment est-ce que vous comptez aborder le prochain match? On joue prochainement vendredi. On va se reposer déjà, reprendre la fraîcheur physique. Étudier encore, on a fait des erreurs aujourd'hui. Et puis... vraiment bosser encore côté tactique. Voilà. Parce que certains points, on a lâché certains points, mais on va corriger tout ça. On a senti vraiment le grand Jimmy vraiment en forme aujourd'hui. Comment est-ce que Jimmy m'avait préparé le match personnellement? Beaucoup de travail physique. Voilà. Parce que c'est vraiment la fraîcheur physique qui m'a manqué les précédents matchs. Aujourd'hui, je me suis senti encore plus vigoureux. Voilà. Ok, donc merci à vous, Jimmy. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre travail.